الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Et ainsi de suite.
Vous savez pourquoi? Non. Chaque Ahmad Tijani oui. est trop grand non. pour qu'une seule personne hérite de toute sa spiritualité. Voilà. Raison pour laquelle non. chacun prendra de lui ce qu'il peut supporter. Yeah. Et c'est ainsi non. que Cheikh Ahmad Tijani Achim. A donné sa part d'héritage à Cheikh Ibrahim Niasse. Et qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné la feuille de la Tijaniya. Yes. On est bien la feuille de la Tijaniya. Non. La feuille n'est rien d'autre qu'une valeur donnée par Cheikh Ahmad Tijani. Il aura donné à Cheikh Ibrahim Niasse. Yes. Dans une vision, non. Cheikh Ibrahim Niasse dit qu'il voit le prophète Mohammed. Salam. Il voit Cheikh Ahmad Tijani. Achim. Et on lui dit, Rosa, mais la chérie, non. il est là. Waminka, non. il est là. Waminou, il est là. Non. Waminka, non. il est là. Le prophète lui dit, non. la faïda que je confie à Cheikh Ahmad Tijani. Cheikh Ahmad Tijani va te la remettre. Non. Parce que Cheikh Ahmad Tijani avait dit la kifara de l'Ahmadiyya. Non. Que d'a-t-il fait à l'Ashabi. Wallahi. Hatta yadkhul al-nas fi tariqatina afwajan wa afwajan. Non. La faïda, une très grande profusion de lumière. Non. viendra à vos disciples. Wallahi. Et les gens viendront à la tariqa Tijaniya pour partout. Non. Voilà. Il n'est pas cité de pays, non. il n'est pas cité de nationalité, non. il n'est pas cité de tribu. Bien. Ce que Cheikh Ahmad Tijani a dit, non. aujourd'hui c'est avéré. Voilà. De toutes les tariqas qui existent sur terre, non. la tariqa Tijaniya est cette tariqa qui amasse plus de monde. Mais ne regarde pas seulement le monde. Non. Tu peux avoir beaucoup de monde dans une affaire Bien. Qui ne sont pas des gens de qualité. Voilà. Pour Cheikh Ahmad Tijani, ce n'est pas le cas. Voilà. Le cas de Cheikh Ahmad Tijani non. est tout à fait différent. Voilà. Non seulement ils sont nombreux, non. mais ils sont tous des personnes de qualité. Voilà. C'est cela. Non. qui se sont affiliés à Cheikh Ahmad Tijani. Bien. Un seul d'entre eux non. était wali. Wallahi. Malgré notre raison, non. quand nous voyons qu'un descendant de Cheikh Ahmad Tijani, une, Bien. Nous allons dire qu'il a deux casquettes. Non. Il y a la casquette de Mohammedine. Ah. C'est une chérie. Non. Parce que descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas n'importe qui. Voilà. Mais ce n'est pas tous les descendants du prophète Mohammed qui sont aussi les descendants de Cheikh Ahmad Tijani. Voilà. Lui, il est descendant de Cheikh Ahmad Tijani. Non. Ça fait une double casquette. Hier. Hier. Non. J'ai reçu quelqu'un. Ah. À qui Non. on aura remis. Une chevelure du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu me voir, on a échangé. Non. Il a dit que cette chevelure du prophète Mohammed qu'il a Zalim. A quelques trois caractéristiques. Aïwa. Premièrement, non. Kazé Inch'Allah. Tamou Bimoussina. Tiens. Ça veut dire qu'elle est encore vivante. Wallah. Le prophète n'est plus rien. Non. Mais la chevelure là. Elle vit, elle va vivre maintenant. Deuxièmement, non. la chevelure n'a pas d'ombre. Yeah. Tel que le prophète était. Troisièmement, non. quand tu la mets dans le feu, le feu ne la brûle pas. Attaquez. Ça, c'est une chevelure qui va Non. Que va-t-il dire l'ennemi Non. Tu proviens du prophète par la sainte. Malheureusement, non. la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusque-là,
ne connaît pas l'importance de la descendance du prophète Mohammed. Wallahi wa sallim. On nous avons ce voilà. Voilà pourquoi je souhaite. Non. Car avant qu'on lui donne la parole, ah. Il faut qu'on explique l'importance de la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sallim. Cheikh Ibrahim Nias. Yes. Il nous a dit, ah. Parlons du Cheikh Ahmed Tuyel. Non. إن عمري هذا الشيخ عين ولاية والله تفجر من بحر القلوب وتصافية. كيف؟ إذا كنت أشير أن أقول لك نعم كس الشيخ كي الشيخ أحمد تيار الشيرين إلى لون توت لا سينتيتي والله كيف؟ مي نعم واش كي أكوزي سينتيتي لا دون فعل محمد صلى الله عليه وسلم. Parce qu'on dit, mes chers collègues, non. On dirait que tu te trompes, hein? Ah. Parce que tous ceux qui accusent de la source mohammedienne, non. Ils sont tous des prophètes comme lui. Yeah. Comment se fait-il que Cheikh Ahmed Tidjani, non. Accuse de Cheikh Ahmed Tidjani, ah. Et accuse du prophète Mohammed, salut. Alors qu'il le sait. Normalement, non. Il va être un prophète, ah. Wallah. Il nous a expliqué le mystère, non. Il a dit, voyez-vous, ah. Dans l'océan, non. Les poissons qui sont dans l'océan yeah. Ne voient pas l'eau de l'océan. Wallah. S'ils voient l'eau de l'océan, sont pas humains. Yeah. Et quand il pleut, nah. Dieu les réserve uh-huh. Une partie de l'eau de pluie. Nah. Étant dans l'océan, uh-huh. Dans l'eau salée, nah. Et ils ne savent que de cette eau-là qui se tombe du ciel. Attaque. Donc, nah. Il est dans l'océan. Uh-huh. Cheikh Ahmed Tidjani, il s'est approuvé du prophète Mohammed, Zalim. Mais il n'a plus que la sainteté mohammedienne. Ah. Et il disait non. Que tous les chefs qui sont venus après, ah. Cheikh Balissi, non. Cheikh Mohamed Fahad, non. Cheikh Mouloud Fahad, non. Cheikh Mohamed Foutine, yeah. Cheikh Chalaba, ah. Ces grands chefs-là, non. S'ils savaient qu'il y avait un autre chef, plus grand que Cheikh Ahmed Tidjani, ah. Il serait parti s'affilier à ce chef-là. Voilà, mais ce n'est pas possible, okay. Ce n'est plus possible. C'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Nah. Il ne peut plus y avoir ah. Un autre chef plus grand que Cheikh Ahmed Tidjani. Yeah. Voilà pourquoi que tous nah. Se sont affiliés à Cheikh Ahmed Tidjani. Voilà. Si c'est vrai, non. Et que nous nous recevons non. Un descendant de ce grand chef-là, non. Nous devons manifester l'amour, non. La considération. Voilà. On avait souhaité rappeler tous les disciples de l'Aïdias. Non. Mais le vendredi, c'est plutôt difficile. Yeah. Parce que chacun est dans sa zaria avec son homme. Non. Ça va être difficile, ça va être difficile pour que tout le monde se mette ensemble. Voilà. Et comme hier, il va venir dire qu'il vient. Non. J'ai dit, ok, viens, nous on va te recevoir pour nous parler. Non. Mais j'ai lancé des appels. Non. Peut-être qu'il va avoir l'occasion ah. De rendre visite. Non. Tous les disciples du chef Ahmed Tidjani et yeah. Les chefs de l'administration ici. Non. J'espère que son temps va lui permettre de faire cela. Wallah. Mais nous voulons lui souhaiter la bienvenue. Non. Il est chez lui yeah. Dans sa saria. Dans cette. Et pour cela, nous allons demander à Zakibou. Non. Zakibou, il n'a qu'à. Nous faire quelque chose pour lui souhaiter la bienvenue avant qu'il ne prenne la parole. Allah l'aïda. وَهَلْ أَنْبِسًا هَلْ هُمَا مِنْ مُكَمِّنْ
Yeah.
Seigneur, nous sommes là, et c'est la gloire. On dit merci, merci à notre frère. Il nous a vibré au rythme de la ilaha illallah. Il nous a fait vibrer au rythme de la ilaha illallah. J'aimerais avant qu'on nous donne le nom à Chérif Ibrahim. Vous dire également que nous avons aussi reçu la visite de notre frère, Cheikh Salus Chaban. Ce grand famille de chef Prémenias qui était au Ghana, qui est décédé. Donc le chef de Ben Omar, le grand chanteur Ben Omar, son grand frère Ahmed Chaban, c'est son fils qui est là. Il est arrivé du Ghana. Alors il nous adresse la salam inshallah. Alors donc avant de remettre le micro au chef Brahim, on va d'abord acheter la baraka. Al-barakatu tushtara wallahu la yunalu bihi la. La baraka s'achète chez les chérifs. Mais aujourd'hui, nous tous nous avons des besoins. Qui n'a pas de besoin d'être milliardaire? Qui n'a pas ce besoin-là? Vous êtes sculpteur. C'est pas Dieu que vous voulez, c'est l'homme que vous voulez. Alors, je suis sûr que quand vous avez cet argent-là, vous allez investir dans les sentiers d'avoir son enfant. C'est le moment de faire un geste. Pour montrer à son enfant, nous avons confiance dans le prophète Mohammed et toute sa descendance. Dans chaque accord qui est avec toute sa descendance. Et par leur baraka, nous souffrons de maladies que nous voulons que tu maîtrises avec nous. Nous souffrons de pauvreté que nous voulons que tu nous enrichisses. Nous voulons atteindre les dimensions spirituelles les plus élevées. Nous voulons pénétrer la proximité. Autant de choses que nous voulons faire dans ce monde, nous sommes incapables de les atteindre à travers nos actions. Mais nous allons les atteindre à travers l'amour que nous avons pour le prophète Mohammed et sa descendance. Alors, Issaka, lève-toi, souffle. Lève-toi. Commence par ceux qui sont venus là-bas. Awabina bin Fawamine, pour le faux paragraphe. Alors, on va parler. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جمعته جودا حيبة وجلالا وأبصرت من ذا بحتة وجمالا جمالك أمس حيبة ومحبة فأنت أتم المرسلين كمالا وكلهم هذا المقارب والعلا وما كلمات الهاشمي خسالة محمد يا خير الأنام وسيلتي هباك إلهي ما يفوت مقالا وأنت وهبت البيض وسود فانتهى إليك خادم الرام منك بنادى وآليك خير العالمين وسيلتي منيني لدى يوم رهيب وعلا وتيمني أن محمد وتيمني ربيك سرت مدمتما آل البر والأجوار أمي مسعدا فغادرت أوطاني وآلي وأسرتي عجوب فلا لم أشق قلالا بالكهل خطورا أبيض ومرة بباني سدى الفاسقين خسالا ببلديك يوم ثم يوما تجولا بقاهرتي أبكي هناك جمالا لأرض الملك القرن قد جئت موهنا وما لم تنل أبكي فهوى خيالا ببيروت أنوسنا بشرف خاتما رسول إله الأشواء وتعالى كراشي بها خلفت أهل مودة هم النصر الدين النبي فعلا قد اعتصموا بالحبل حبل محمد جبالا وأطفال النساء ورجالا بدار علوم الدين أدركت نزهة فكسيدة مجدا يفوق مكالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
العشر من ليل المقلبي. الله لا إله إلا الله، الله الله إلا الله. Il dit que le monde devait promettre sur le monde de s'arrêter joyeux
autour duquel nous retrouvons nous tous. Que cet amour-là va durer aussi longtemps que la vie durera. Aussi longtemps que tu es cantonné à cet amour, Dieu te libérera jusqu'à ce que tu atteignes ta dimension spirituelle. Et tu l'atteindras dans ce monde ici-bas, dans le monde intermédiaire, également dans le monde là. Et paradis aussi. Et aussi au paradis. C'est-à-dire que cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on s'élève dans cet amour, non seulement dans cette vie, mais aussi même si on rentre au paradis, on continue dans l'élévation de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même dans le paradis, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam va continuer. C'est pour vous dire que l'objectif d'un tizami, d'un tizami, son objectif, il est au-delà même du paradis. Ça veut dire que l'objectif du but ici de la parole de Jamia va même au-delà même du paradis. Parce que l'amour du prophète va mettre en au-delà du paradis. Ça c'est des paroles du Seigneur Cheikh, c'est une petite amie. Il est important de se rappeler de cela, que l'amour du prophète est le grand sujet de la tarifa. Le sujet réel autour duquel tout la tarifa tirée, c'est bien l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est important de le savoir et de se cantonner à cela. Et s'il y a quelqu'un qui connaît très bien cela, c'est Cheikh Rahim. J'avais dit tout à l'heure que lui, il a une particularité à cause de son nom Ibrahim. Et il a dit encore, il dit, s'il y a quelqu'un qui a bien compris et qui sait cela, c'est bien la personne de Cheikh Rahim. Yes. Si on dit ce recueil, et c'est prêche à cette arrivée, on trouve toujours l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que surtout sur cet amour sallallahu alayhi wa sallam. Et il suffit seulement que l'homme visite à ses disciples et tu verras qu'ils sont focus sur l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela par l'éducation sur le chef Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a deux choses. Pour atteindre cet amour, il y a une seule chose, c'est l'adam. Il dit qu'il y a deux conditions pour atteindre cela. La première condition, c'est la discipline, l'adab. Et la deuxième, c'est bien évidemment l'amour du prophète. Et la deuxième condition, c'est bien évidemment l'amour même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'adab, c'est le sens de la tarbiya. Alors, la discipline qu'on appelle le adab en langue arabe, c'est le sens même de la tarbiya tijaniya. Et de la tarbiya. Et de la tafel, de l'éducation spirituelle dans la tarifa tijaniyya. Et cela, on le trouve dans l'enseignement du Cheikh Ibrahim. Et cette tafel-là, on le trouve dans l'enseignement du Cheikh Ibrahim. Yes. Bien évidemment, comme vous avez dit tout à l'heure, chaque khalif, chaque tijaniyya, il a une particularité. Et c'est pour cela, c'est dans le Cheikh Ibrahim, il dit, c'est-à-dire qu'il peut connaître dans ces gens, dans ces personnes-là. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, que chaque Ibrahim Agnès a plusieurs compartiments. Et c'est ainsi que chaque calife a une particularité. Et c'est pour cela que chaque Ahmed disait que Ya'arifouni Anawani. Et celui qui me connaît, c'est pas celui qui me connaîtra à travers tous ses bonafins. Quand tu vas chercher un bonafin, dans sa personne, tu vas chercher un petit cadeau. Quand tu vas chercher un Ménès, tu vas chercher un petit cadeau. Celui que tu vois à travers toutes ces représentations. Et cela, tous les grands chefs, ils savent très bien cela. Et tous les grands chefs le savent. Donc il est important que tous les tijanis soient réunis autour et comprennent cette dimension-là. Et il est très important et très utile que tous les disciples de Jacques Mathieu puissent comprendre cela. Quelle que soit la source de l'obligation, alors l'eau devait toujours dans le haut. Et on boit tous de la même source. Et on boit tous dans la même source.
Et c'est bien la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je prie Allah sallallahu alayhi wa sallam et dit Amin. Amen. Que Dieu fasse de nous les dignes disciples de Cheikh Ahmed Tijan. Qu'on voit jusqu'à la sincère de cette Torah. Que nous nous revient de cette Torah à ne point finir. Inch'Allah, je remercie Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et voici là quelques mots qui sortent de la bouche pure du petit fils de Cheikh Ahmed Tijani, le sang de Cheikh Ibrahim. Cheikh Ibrahim, je le connais pas aujourd'hui, il y a très longtemps que je le connais, mais vous dites que c'est bien, ça fait longtemps que je l'avais vu. On s'était vu au séminaire une année, il y a très longtemps de cela. Voilà. Voilà, Mili Labaï. Et même à Dakar aussi. Même à Dakar aussi. Aïdala, on a encore une licence qui posait avec vous. Ibrahim Ouma. Ils sont trop simples de quelque chose ici. Tu as dit le parole. Merci beaucoup. Ce sont nos frères disciples de Cheikh Ibrahim Dignas. Mais et ce sont des dieux. Et c'est pour ça que c'est des griots. Voilà, depuis quelques temps, ils nous font le plaisir de nous offrir leur amitié. Quand tu veux, ils viennent ici à Zambia, Inch'Allah, pour faire des équipes avec nous, Inch'Allah. Ils viennent tous du Sénégal, Inch'Allah. Donc nous leur souhaitons la bienvenue. Nous sommes fiers de vous avoir avec nous aussi dans cette modeste Zawiya, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, comme je disais, que ce qu'il a dit, c'est le cœur de l'ancien Inch'Allah Dijan. S'unir dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça le mystère de la terre de Tijani. Si nous voyons Inch'Allah Dijani, nous devons voir à travers lui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avec comme qu'il disait, il dit l'âme du prophète Mohammed et mon âme sont comme ces deux voies-là, inséparables. Et toute personne qui connaît Cheikh Ahmed Tijani, qui le connaît dans son esprit, dans ce grand esprit-là, doit pouvoir vivre cela. En tout cas, Cheikh Ibrahim Agnès, quand il disait, je n'ai cessé de parler des grandes dimensions de Cheikh Ahmed Tijani. Que moi-même, je me suis retrouvé un petit disciple de Cheikh Ahmed Tijani. Il est Atta Rabbi Touran Yaqoub Nashéhi. Vous savez, vous ne pouvez pas vous imaginer la dimension de Cheikh Ahmed Tijani. Voilà pourquoi on lui a donné le grade de la Khatmiya, le sceau de la sainteté mohammedienne et le col caché. Khatmul Wilaya wal Kutubul Maktoub. Et c'est le jour de la résurrection que Dieu va nous dévoiler instruction que qui est Cheikh Ahmed Tijani. Avant l'arrivée de Cheikh Ahmed Tijani, on avait dit quelque chose, il y aura une double souffle de temps, il va dire, là il y aura faux, là tout doux, il y aura une arrête. Il y a un monsieur qui va venir. Nul ne le connaît dans ce monde et nul ne le connaîtra dans l'au-delà. Parle de Cheikh Ahmed Tijani. Et cette parole-là a été reprise à la voix de tous ceux qui ont irrité Cheikh Ahmed Tijani. Alors, comprenez cela et dites merci en disant Alhamdulillah. 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 Moi, personnellement, sans prétention aucune, quand je rencontre quelqu'un qui n'est pas d'ici Cheikh Ahmed Tijani et que moi, je suis d'ici Cheikh Ahmed Tijani, je pense que je suis béni. Sans prétention aucune, c'est ce que je pense. Quand je regarde la dimension de Cheikh Ahmed Tijani, je sais que seuls les êtres chanceux, seuls ceux-là que Dieu dirige vers Cheikh Ahmed Tijani. Hachem, à M. Kébé, disait que Cheikh Ahmed Tamassi, il dit que tout le monde a le jour de Massak al-Halak, voilà, Yamdou, Bimbo, Illa, Walko, et tout le monde a le Cheikh. Dit que le monde, tout est voué à la perdition. Et ceux-là qui seront sauvés,
sont seulement ceux-là qui ont bénéficié de l'amour des gens chrétiens. Et il disait ça pour Sa'ada. Et ce pour la santé. Il a hâte de prendre le bas. Au sens où il a éliminé ce qu'on a ramené. Il est sûr le conducteur vers la chance qui dirige les personnes vers cet arrivée. Voilà pourquoi, madame, faites-nous un zil encore avant de prier pour encore remercier le Tout-Puissant Allah et encore souhaiter la bienvenue à nos fils et familles qui sont là. À leur tête, cher Ibrahim, mon cher Mohamed Kébier. Chef Ibrahim Agnès. Il dit même
les cafétérias, les quand tu vas à la Mecque, où on va prendre du café là, même ces endroits-là ne pleurent chez Ibrahim Yes. Les supermarchés de la Mecque, je me dis, pleurent chez Ibrahim Yes. La Kaaba pleure chez Ibrahim Yes. Ceux qui font la tawaf pleurent chez Ibrahim Yes. Nous, nous, à Abidjan ici, on pleure chez Ibrahim Yes. Pourquoi tout cela? Parce que Cheikh Ibrahim Yes a pleuré Cheikh Abdel. Il disait quand tu le vois, il disait quand tu le vois, tu sais que Wallahi, rien n'est en moi si c'est Cheikh Ibrahim Yes, Cheikh Abdel. Donc nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi je dis, quand tu es avec ton frère, toi tu es tijanite, il ne l'aime pas. Non. Il ne faut pas hésiter. Dieu t'a élevé au-dessus de lui. Quoi? Et cela est un don. Non. Et Dieu grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Qui donne à qui il veut. Bien. Et toi, normalement, ta vie comme elle est chère, mais celui-là qui. Par hasard, se retrouve dans la tarika tijaniya. Non. Toute sa vie, il va dire par qui il veut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Parce que c'est Dieu seul qui l'a choisi. Bien. Alhamdulillah, nous devons continuer toujours. Alhamdulillah. Alors, cependant,